Alors, je vais maintenant passer à l'installation d'une lunette sur cette carabine. La première chose à faire, c'est déjà de choisir sa lunette. On peut monter n'importe quelle lunette sur la carabine, mais ça va peut-être poser des problèmes au niveau du montage, des fixations. Ça va peut-être aussi poser des problèmes au niveau des réglages. Et puis, il y a toujours l'esthétique. Là, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si je monte par exemple cette Nikon sur cette carabine, je vois que ça va très bien passer. Mais au niveau du levier et au niveau de la hausse, si je veux conserver la hausse, il va falloir quand même que j'ai un montage haut. Et puis, bon, certains vont peut-être trouver que cette lunette, elle est un petit peu trop grande ou trop grosse par rapport à la carabine, ou qu'elle est trop chère. Bon, après, c'est une question de choix. Je vais pouvoir monter cette lunette Walter, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, parce que ça sera le plus simple. On voit très bien, là, ça colle parfaitement, et j'ai du jeu. Je vais pouvoir la reculer ou l'avancer. J'ai quand même un certain jeu, au moins un centimètre de chaque côté, de façon à parfaitement régler la distance d'observation par rapport à l'œil du tireur. Au niveau de la hausse, c'est un petit peu juste, mais on voit très bien que cette hausse, c'est pas une hausse rabattable, mais c'est une hausse réglable, et en fait, elle est sur une rampe. Donc, si je dévisse et si je l'amène au plus bas, je la bloque correctement, voilà, là, en fait, elle ne va pas du tout me gêner. Donc c'est cette lunette-là que je vais monter parce que c'est le plus simple et c'est un bon choix pour une petite carabine de calibre 22 long rifle. Maintenant, je pourrais monter d'autres lunettes, mais je vais peut-être certainement avoir certains problèmes. Par exemple, cette lunette-là, déjà, ordre esthétique, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça fait vraiment militaire, c'est très gros, lourd. Bon, est-ce que ça va plaire? Ensuite, j'ai un écartement ici, je ne peux pas changer l'écartement. Je n'ai pas du tout de jeu au niveau du corps. Cet écartement, il tombe très bien par rapport à ma fenêtre d'éjection, mais ça veut dire que je vais fixer la lunette ici et je ne pourrai plus l'avancer ou je ne pourrai pas l'avancer ou la reculer. Si je ne suis pas à la bonne distance d'observation, ça va me poser un problème. Exactement la même chose pour cette petite lunette. Déjà esthétique, certains diront bah, elle est trop petite. C'est la lunette que j'avais montée sur la carabine Browning BL22. C'est une excellente lunette et elle vaut vraiment pas cher. Elle doit être à quelque chose comme 50 euros, peut-être moins. Mais là encore, je vais pouvoir la fixer. Elle va pas du tout me gêner ni pour le levier ni pour la hausse. Mais je n'ai aucun débattement, quasiment pas de débattement. Ça veut dire que je ne serai peut-être pas à la bonne distance d'observation. Si je fais uniquement des tirs sur appui, c'est pas très gênant parce que je vais m'adapter, je vais m'avancer un petit peu. Si je fais un tir sans appui mais posé, j'ai le temps, je peux aussi modifier ma position de tir. En 22 long rifle, j'ai pas de problème de recul. J'ai pas peur de recevoir l'oculaire dans l'œil, je n'ai pas peur de me faire mal à l'épaule. Donc je vais pouvoir m'avancer pour être à la bonne distance. Mais c'est quand même pas l'idéal. L'idéal, c'est quand même d'épauler et d'être immédiatement à la bonne distance, de ne pas être obligé de se contorsionner. Or là, je n'aurai peut-être pas la bonne distance et je ne pourrai pas changer les choses. Donc je vais monter cette lunette-là, c'est beaucoup plus simple parce que celle-là, je sais que je peux la reculer et l'avancer et donc la régler tout à fait à la bonne distance. Les colliers ici et les griffes sont tous avec des vis qui se serrent et qui se desserrent avec une clé hexagonale. Cette clé hexagonale, elle est livrée avec la lunette. Donc c'est parfait, là j'ai exactement la même clé pour tout visser ou dévisser. Vérifiez que vous avez bien les outils nécessaires. Parfois, il suffit d'une simple pièce de monnaie pour serrer les griffes. Parfois il faut un tournevis, parfois il faut une clé hexagonale et des fois c'est pas toujours la même clé entre les griffes
et l'écolier. Là, ils ont bien fait les choses, c'est la même clé. Donc je vais monter cette lunette. Normalement, j'ai juste à desserrer les griffes et à l'installer. Mais pour bien vous montrer comment faire, parce que la lunette n'est pas toujours forcément livrée avec l'écolier monté, ou même pas livrée avec l'écolier du tout, la première chose à faire, c'est déjà d'installer les griffes et ensuite de poser la lunette pour voir où on va la placer. Donc je vais dévisser ces colliers et ensuite je vais les installer sur l'arme comme je le ferai avec une lunette qui n'a pas les colliers déjà montés. Alors là, j'ai retiré donc ces colliers et je vais pouvoir fixer les griffes sur le rail. Je serre un petit peu pour pas que ça bouge, mais en fait je ne bloque rien. Je ne bloque vraiment qu'au tout dernier moment, quand je serai vraiment sûr de ce que je vais faire. Bon, là, je vais les positionner de façon à avoir quand même assez de débattement pour le réglage. Donc je vais prendre une valeur moyenne, je vais les mettre à peu près au niveau, au milieu des deux parties du rail. Ça me donne quand même pas mal de débattement. Je vérifie donc que ça passe, c'est vraiment juste, hein, mais ça passe par rapport à la hausse, donc je vais la laisser en place. On peut très bien enlever la hausse. J'aime pas trop démonter les hausses, d'abord parce que vous savez pas toujours où la stocker, et le jour où vous voulez remonter, enlever la lunette et remonter la hausse sur la carabine, vous savez peut-être plus où vous l'avez mise. Si on peut la laisser sur la carabine, je trouve que c'est aussi bien. Alors, cette lunette, je vais maintenant vérifier à quelle distance par rapport à l'œil. Je vais la mettre, ça c'est important. La distance d'observation. Le mieux, c'est d'épauler, comme je le ferai normalement. Ça paraît être la bonne distance d'observation. Je vais déjà monter les colliers et ensuite je vais vérifier plusieurs choses avant de bloquer. Alors ces colliers font un petit peu plus de 180 degrés, c'est-à-dire qu'ils viennent se clipser sur la lunette. J'aime pas trop ça parce qu'on a tendance des fois à risquer abîmer pas le bronzage, l'anodisation noire de la lunette. C'est une lunette en alu, c'est des colliers en alu. C'est moins grave que quand ils sont en acier. On a souvent tendance à abîmer les tubes quand on installe certains colliers en acier. Il y a aussi des colliers qui, à l'intérieur, ont un tissu collé, un petit peu comme du scotch toilé. C'est pas mal parce que ça évite le glissement et puis surtout ça évite d'abîmer la lunette. Parce qu'en fait, pour qu'une lunette tienne, on va être obligé quand même de bien serrer les colliers. Et quand on serre bien à fond, on risque de marquer le tube. Moi, j'aime pas trop parce que après, si on va démonter cette lunette, on va changer le réglage ou on va la monter sur une autre arme, elle sera marquée. C'est quand même dommage. Celui qui est vraiment perfectionniste, ou pinailleur, on appelle ça comme on veut, va pouvoir mettre à l'intérieur un petit peu de scotch toilé. C'est une possibilité. Bon, là je vais aller quand même au plus simple. Donc j'installe ces colliers. Voilà, ils se clipsent carrément. Et je vais remettre donc toutes les petites vis en place. Alors là, il y a 8 vis, c'est quand même pas mal. D'habitude, il y en a moins. Mais bon, là, au moins, on est sûr que ça va bien tenir. Il y a
quatre vis sur chaque collier, deux vis de chaque côté. Voilà, j'ai mis toutes mes vis, je n'ai encore rien serré. Je vais le faire des deux côtés. Je vérifie à chaque fois que le jour de chaque côté soit à peu près identique. Là, ça tient, disons, c'est un frottement gras. Là, ça va me permettre de vraiment vérifier d'abord ma distance par rapport à l'œil, ma distance d'observation. Bon, ça me paraît correct. Et je vais vérifier aussi que le croisillon soit parfaitement droit, c'est-à-dire vertical. Et le croisillon vertical et le croisillon horizontal. Ça, c'est très important. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'une hausse qui est de travers ou un croisillon qui est de travers. Ça doit être parfaitement droit parce qu'on va se baser là-dessus pour bien faire sa prise de visée. Si on penche l'arme à droite ou à gauche, on n'aura plus les mêmes réglages. Forcément, là. La trajectoire de la munition, c'est une courbe. Et si je penche mon arme, ben les réglages ne sont plus les mêmes. Donc, très important, avant de tout fixer, je vais faire ces réglages. Et je vais vérifier qu'il n'y a aucun problème, que je peux ouvrir et fermer ma culasse, et que je vais pouvoir la démonter également. Donc, là, c'est le cas. Je suis pas loin, là j'ai plus qu'un millimètre à peu près, mais ça pose pas de problème, c'est bon. Donc là je vais commencer à pouvoir serrer. Je vérifie quand même que tout me plaît, c'est correctement monté. Je vais pouvoir serrer, alors petit à petit, je vais serrer d'un côté et de l'autre toutes mes vis. En vérifiant aussi que c'est pas plus rapproché d'un côté que de l'autre. Alors là, je vais le faire délicatement, en plusieurs fois. Il faut que ça soit bien serré. Mais il ne faut pas le faire d'un seul coup, pas serrer d'un seul côté. Il faut bien le faire petit à petit. Et puis, avant de tout bloquer, avant de tout bloquer, je vais quand même vérifier une dernière fois que ça n'a pas bougé, que la lunette est bien, oui, elle est bien verticale, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais pouvoir finir le serrage. C'est pas plus serré, si, un petit peu, donc c'est un peu là-dessus que je vais forcer, voilà.
Bon, là, je crois que je suis à peu près bien. Faut pas non plus le faire comme pas serré comme un malade, c'est pas la peine, mais faut que ça soit bien bloqué, sinon ça risque de se desserrer. D'ailleurs, après le tir, je pourrais vérifier que tout est bien resté serré. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aussi bien serrer les griffes. Là, ma lunette est montée, elle est correctement positionnée, je n'ai plus qu'à la régler.